لو كان ده حب يا ويلي منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي حاش في جراح حاش في جراح. لو كان ده حب يا ويلي منه، لو كان ده ذنبي ما توب عنه، لو كان نصيبي حاش في جراح حاش في جراح. All along it was a fever, a cold sweetheart did believe her. I chew my end, the ace said, show me something. He said, if you dare come a little closer, one and one we go. Oh, now, tell me now, you know. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kenza Adjloum, j'ai 17 ans. Je suis sur Agadir depuis toute petite, mais j'habite en France et je suis chanteuse. Et je suis dans le début de ma carrière. J'ai commencé à chanter depuis toute petite en fait, donc depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais être chanteuse. Donc là, je suis vraiment à mes tout débuts de ma carrière et voilà. Je pense quand j'avais au moins 13 ans, c'était lors d'un karaoké et les gens ont dit à ma maman et à mon papa que j'avais quelque chose dans ma voix qui était très spécial et voilà. Du coup, j'ai commencé à chanter des musiques françaises. Pour l'instant, j'ai pas encore un style particulier, mais j'arrive à chanter tout. J'ai commencé par chanter tout en fait, donc plutôt de la langue française, mais par la suite de ma carrière, peut-être chanter d'autres langues, la langue arabe, etc. Et voilà. J'ai déjà chanté au Blue Note à Agadir, et demain vous pouvez me retrouver au festival de la mairie d'Agadir, au Jardin d'Oulhaou à 20h. Mon artiste préféré c'est Beyoncé parce que c'est une grande star déjà, c'est quelqu'un qui a touché toutes les générations. Et voilà quoi, c'est une femme qui est vraiment très, très généreuse, etc. Et moi j'adore cette personnalité. J'adore le Maroc parce que c'est l'endroit que je viens depuis toute petite et c'est vraiment le seul endroit vraiment. Chaque année, je suis ici. Et vraiment, c'est des gens qui sont adorables. J'adore le Maroc, c'est magnifique. Il y a des beaux endroits à visiter et voilà quoi. Et Agadir, ils sont tellement accueillants. C'est une ville que j'adore. Et mon grand-père habite ici. Et c'est pour ça que je viens chaque année ici profiter avec mon grand-père. C'est vraiment le moment de l'année pour profiter avec lui. Donc voilà. Et mon papa, c'est un Algérien et mon grand-père, il habite ici au Maroc. Donc pour moi, c'est pareil, les Algériens comme les Marocains, on est adorables, on est accueillants. Et c'est ça qu'on arrive à tout partager tous ensemble, c'est ça. Mon papa, c'est un Algérien et mon grand-père, même s'il habite ici, etc., c'est pas parce qu'on est Algérien qu'on n'est pas des frères et sœurs. Les Marocains comme les Algériens, on est pareil et on est tous ouverts d'esprit, on est accueillants et c'est ça que j'aime au Maroc et l'Algérie, on est tous pareils et voilà. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.